Je fais une petite vidéo pour tous ces Arabes. Je vais les appeler des Arabes. Je ne vais pas mettre musulmans. Je ne vais pas faire d'amalgame. À tous ces Arabes, là, vous savez, tous ces Arabes qui, pendant 24 heures, ils étaient terrés. Ils fermaient leur gueule, ils n'osaient pas parler parce qu'ils savaient que la situation était tellement chaude qu'il ne fallait pas commencer à parler. Mais là, vu que c'est bon, ils ont dormi une nuit, deux nuits, ça commence à se calmer, tranquille. Demain, c'est lundi, le boulot, il reprend. Donc, ils peuvent commencer à matrixer les gens. Tous ces Arabes là qui sont contre la France, qui commencent à critiquer les gens parce qu'ils mettent un drapeau. Mais on est tous des bouffons à la base. Mais en vérité, on est tous des bouffons. Mais sauf que quand on est un bouffon, ben on ferme sa gueule. Mais si tu ouvres ta gueule, va jusqu'au bout de ton initiative. Et puis barre-toi. C'est la vérité. Je vais prendre même un exemple par rapport à la religion. À l'époque du prophète. Les compagnons du prophète, quand ils se sont sentis persécutés, etc., à la Mecque, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en Abyssinie. Ils sont partis vivre en Abyssinie. Voilà. Et le prophète, il est resté pourquoi? Il est resté, il n'est pas resté à la Mecque pour foutre le bazar ou quoi que ce soit. Il est resté pour essayer de continuer à délivrer un message de paix, à avoir un bon comportement. Ils lui ont mis des abats de chameaux, de chèvres, etc. sur lui pendant qu'il priait. Ben, sa fille, elle est venue, elle lui a nettoyé son dos, il s'est relevé, il est rentré chez lui. Enfin, il y a le comportement du prophète nous a montré par l'histoire que faut continuer à être droit. Mais vous savez que critiquer, à parler, à vous commencer à intégrer la Palestine et Israël. Mais depuis quand vous êtes pour la Palestine déjà? Hein? Vous qui mettiez les jeans diesel, dès que des juifs ils mettaient du diesel, dès que les juifs ont commencé à mettre des paires de Jordan, vous êtes partis en acheter par 12. Dès que les juifs ont commencé à mettre les doudounes là, les doudounes Canada Goose, etc. Je crois que c'est ça la marque Canada Goose. Hein, on les voyait les fuches qui mettaient ça avec les grosses fourrures. C'est nous les robeux, on a commencé direct à recopier sur eux, d'accord? À mettre des lunettes marque Jacob. Marc Jacob, il est quoi? Il habite à Gaza, Marc Jacob. Marc Jacob, c'est quoi? C'est un feige et vous mettez avec des lunettes. Donc moi, je pars du principe que si t'aimes les Jordan, t'aimes toutes ces choses-là que les feiges y font, ferme ta gueule. Voilà, tu fermes ta gueule et tu marches. Tu suis la foule de bouffons. Voilà, parce qu'on est tous des bouffons. Mais si tu ouvres ta gueule et derrière, tu fais rien de carré, moi, je comprends pas. T'es pas content, la France, le ceci, cela, mec, barre-toi au bled. Barre-toi au bled, hein, le bled où dès que t'es en voiture, les flics qui viennent, ils t'inventent des feux rouges cramés pour essayer de te gratter 200 ou 300 dirhams, alors que t'as rien fait du tout, tu peux même pas ouvrir ta gueule. Soit tu payes cash, soit ils viennent, ils t'enlèvent ta voiture à la fourrière. Encore à la limite, ici, quand t'as cramé, ils t'envoient la photo, etc. T'as 45 jours, tu peux faire un papier au tribunal de police pour dire que c'était pas toi, etc., etc. Alors, vous êtes pas content de quoi? C'est vous qui bouffez le système. Vous êtes là, vous dites, vous êtes en train de niquer la France. Mais la France, c'est rien, la France. La France, c'est une coquille vide. La France, c'est une coquille vide. C'est les Français qui font qu'il y a la France. Tu crois quand t'es là que t'es en train de gratter le RSA, quand t'es en train de taffer au black à côté? Tu crois que tu niques qui? Tu niques la France? Non, tu niques nos impôts. T'es pas content quand tu déposes ton gosse à l'école et qu'il fait de la peinture, et il fait il met sa main sur de la pâte à sel, etc. Il fait de la pâte à modeler, il joue, il fait des sorties, t'as donné rien du tout, tu donnes zéro, tu grattes tout. T'es pas content ça? Tu ramènes ton gosse, il joue, il vient, il dit, ah, tiens papa, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, machin. C'est grâce à quoi? C'est grâce à nos impôts, c'est grâce à l'impôt des Français. Et l'impôt, déjà, l'impôt, rien qu'on va prendre l'islam, l'impôt, il existe au temps de l'islam. Il leur prenait un certain nombre de chameaux, un certain nombre de chèvres, etc., des tissus, les commerçants, ils les collectaient, et puis ils les repartageaient, ils les redistribuaient aux pauvres de la Mecque et de Médine. Mais ça a toujours existé. Faut savoir que les premières allocations familiales, c'est le calife Omar ibn al-Khattab qui les a créées. C'est lui le premier à avoir créé, et ça c'est même dans la constitution irlandaise, il y a écrit les allocations familiales selon la création de Omar ibn al-Khattab à Médine. D'accord?
Ça, c'est des choses vraies. Donc, vous êtes là, vous voulez niquer le système, vous voulez niquer machin, alors que dès que vous êtes en Thaïlande, vous êtes à Marrakech, vous, vous parlez que français, vous êtes content quand les gens ils vous répondent en français, parce que vous êtes des clandos, vous savez même pas parler. Vous êtes incapable d'aligner deux mots d'anglais ou deux mots d'arabe. Vous êtes content, vous êtes fier, là, quand vous êtes au bled, ou vous êtes à l'étranger, que les gens, ils vous parlent en français. Ouah, t'es français. Et puis là, quand vous êtes en France, vous faites les rebelles. Arrêtez de faire les rebelles pour rien du tout. Vous êtes rien rebelle. Vous êtes rien rebelle, vous êtes que des bouffons, vous profitez du système, vous êtes des haineux de la vie. Vous êtes des haineux de la vie, que des voleurs. Vous voulez que les gens ne fassent pas d'amalgame, ils ont raison de faire de l'amalgame. Qu'est-ce que vous faites? C'est à nous de nettoyer l'islam ici. C'est à nous de nettoyer l'islam, de donner des millions et des millions à des mosquées. Au final, le tapis, il n'a jamais changé. Il y a des mosquées, ça fait depuis 1980, ils collectent de l'oseille. Et la mosquée, elle n'a toujours pas bougé. Et tous ces conférenciers, là, ils font des conférences, ils travaillent dans quoi, ces gens-là? Le prophète encore, c'était un éleveur de chèvres, etc. Les compagnons, c'était des charpentiers, c'était des commerçants. Abou Bakr Siddiq, c'était un commerçant. Mais et ces personnes-là, on n'est rien à côté d'eux. Donc comment ça se fait qu'on accepte qu'il y a des conférenciers, ils ont jamais taffé de leur vie, ils arrivent à gratter des millions d'euros, des Nader Abou Anas, des mecs comme ça, sont là, ils grattent des millions d'euros pour faire des écoles, ils ont même pas de science. C'est ça, c'est bien sûr, ils ont raison de faire des amalgames. On n'est pas content quand Cheikh Goumi parle. Mais Cheikh Goumi, moi, il me fait rigoler, on s'en fout. C'est marrant. Heureusement qu'il n'y a pas de, musulmans qui parlent à la télé, on est nuls. On est nuls, on ne sait pas parler. Je préfère quand mes potes athées, mes potes chrétiens, ils parlent mieux que nous, ils nous défendent mieux que nous. J'ai vu là depuis deux jours comment les gens, ils nous défendent sur Internet, c'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils parlent mieux que nous, ils donnent même des versets du Coran. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? C'est parce que autour d'eux, ils ont des musulmans, des personnes qui sont converties, qui ont un bon comportement, qui les aident à ne serait-ce qu'à tenir la porte, à attendre l'ascenseur, à porter le pack d'eau de la voisine qui a 80 ans. C'est ça le bon comportement. C'est de se comporter correctement, d'aller bosser, de contribuer à la société. C'est pas toi, t'es là, t'es en train de gratter le RSA, tu grattes tout ce qu'il y a gratté dans la société et dire ouais, moi je parle français, nanana. Tu crois quoi, les impôts, tu crois c'est quoi, ça fait payer que les bombes pour bombarder la Syrie? Bah t'es pas content, bah mec, va rejoindre l'armée algérienne, va rejoindre l'armée marocaine, va faire ton service militaire, ils vont défoncer ta race, tu vas voir. Tu vas vite courir en France, d'accord? À parler dans ton confort, là, dans ton 200 mètres carrés, t'as gratté grâce aux allocs, t'es là, on les voit aussi dans les reportages, ils sont là, ils ont les peu qui grattent des pavillons. Ils viennent, ils construisent 5-6 blocs et ils mettent dedans des sans-papiers, des Pakistanais. Ils leur disent combien de rembourse la CAF pour loyer? 800 euros. Ben tiens, c'est 800 euros. Voilà. Ils leur font des bouis-bouis là de 5 mètres carrés. Ils les font payer 800 euros. Ils grattent des fois 10 000 euros par mois. Et ils sont eux-mêmes, ils sont au chômage aussi. Et ils grattent 10 000 euros sur la misère des gens. Voilà. C'est ça le comportement des arabo-musulmans d'aujourd'hui qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer. Ces gens-là, faut les balancer. Faut les balancer aux flics pour nettoyer. C'est comme ça qu'on nettoie l'islam. Et pas quand il y a Daesh. Qu'ils aillent se faire enculer, Daesh. C'est quoi ça, Daesh? Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est là que c'est des caïras de cité qui avaient rien à faire. Ils ont cru que c'était dans des jeux vidéo. Et le pire, hein, c'est qu'encore ceux qui pensent que ça, il y a encore de l'anti-musulman, etc. Même le pro-Daesh, qui, imaginons, partait vers le Bataclan, une boîte aux lettres pour aller déposer un courrier dans une boîte postale qui passait au même moment, et ben même le pro-Daesh, il se serait fait canarder à ce moment-là. Même le pro-Daesh, pro-État islamique, il se serait fait canarder. Ça montre à quel point que ces mecs-là, ils viennent, ils canardent les gens. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas dit, ouais, toi, est-ce que tu connais le Coran ou pas? Ils n'ont pas pris le temps. Ils sont venus, ils ont rafalé tout ce qu'il y avait à rafaler. Ils leur ont dit, mettez-vous au milieu, ils se sont mis en foule, et les mecs, ils canardaient, et ils rechargeaient, et ils canardaient. D'accord? Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais délivrer, parce qu'il y en a marre de tous ces arabes là qui parlent à tout va, qui connaissent rien du tout. Je sais même pas s'ils font la prière ou pas. S'ils la font, tant mieux pour eux. C'est pour vous que vous la faites de toute façon. C'est pour Dieu. Voilà, tous ces profiteurs là qui ils parlent pour rien. Ils voient un drapeau, on dirait je sais pas ce qui machin. Et dès que Zidane l'a mis deux coups de tête en Coupe du Monde, ils étaient bien contents d'aller sur les Champs-Élysées et de voir Zidane président. Voilà, donc réveillez-vous, arrêtez de croire que les gens ils sont racistes, les gens ils sont pas racistes. Il y a des racistes, mais nous-mêmes on est les plus grands racistes. Nous-mêmes on met le karcher, on met le lave-vide dès qu'on voit un rhum qui s'approche pour essayer de nettoyer notre pare-brise. Il a des habits sales et on nettoie le pare-brise pour pas lui donner 50 centimes. Nous-mêmes on est des racistes.
Dès qu'on voit nos frères, nos sœurs, dès qu'ils veulent se marier, c'est des musulmans, un Sénégalais avec une Algérienne ou quoi que ce soit. Les mecs, ils se font boycotter par leurs parents. Nous-mêmes, on est racistes. Rien que déjà dans nos propres pays, on est racistes. Genre, faut pas s'étonner quand les gens, ils connaissent rien à l'islam, ils voient leurs enfants se faire canarder. C'est normal, ils ne connaissent rien du tout. Donc faut accepter, faut avoir un peu de retenue, expliquer les choses avec gentillesse, arrêter de faire ceux qui boycottent tout et n'importe quoi sans aucune logique. Voilà. Allez, peace and love les amis.